Voilà, nous sommes le 24 novembre 2020. Philippe Stocker, ancien champion d'Alsace de trial 1983-1985 sur JCM Joël Courroy Moto. Joël Courroy, à qui je passe un coucou. Alors voilà. J'ai été interné en 2012 parce que je ne supportais plus des puissants médicaments qu'on m'a prescrits, des psychotropes. Je vais donc porter plainte contre ces psychiatres. D'autre part, j'ai envoyé à Michel Dufour, le directeur du CHS, de Kraft, un document qui a été établi par l'ancien médecin au Conseil national, donc l'Ordre des médecins, comme chante Charlie Couture, « Or, la loi est dangereux, cet homme est dangereux, et on ferme les yeux, il est protégé par la caste des sorciers. La caste des sorciers, c'est l'Ordre des médecins. Il protège les psychiatres pourris, quoi, je veux dire, voilà, donc la liste est non exhaustive en ce qui me concerne. Il y a Pierre Verlet, où je viens de laisser un commentaire il y a quelques instants, qui a établi un faux document quand j'étais interné au CHS de Kraft. C'est Marie-Christine Sacklin qui m'a diagnostiqué en, je ne sais plus trop la date, schizophrène hystérique, pour être bizarrement, m'être établi un document par le docteur Olivier Gosselin, qui exerçait rue Oberlin à Strasbourg, un document le 3 juillet 2015 qui atteste une évaluation globale de fonctionnement sur ma personne. 200 sur 100, ça veut donc dire que je suis complètement normal, je suis plus que normal. Voilà. Donc je suis en train de regarder des émissions comme Fabrice Sarfi, Élise Lucet, ma copine. Donc on m'a aussi coupé, j'arrive plus à me loguer sur le site de la CAF depuis hier matin. Je devais avoir la prime Covid de 150 €, et pour l'instant, rien. La raison est simple, je commence à googler, à faire ces vidéos, en nommant expressément Frédéric Berry, Marie-Paul Horn, mon référent RSA qui m'a fait chanter. Voilà. Et donc, je commence à donner les noms, ce qui fait que quand les gens vont commencer à googler ces personnes, c'est-à-dire à faire des recherches sur ces personnes, ils vont arriver sur mes vidéos et sur mes informations. Je passe un coucou à Fabrice Arfi, de Mediapart, Edouard Plenel, je vais, après, quand la vidéo est finie, les mentionner dans le tweet, par Twitter. Je les invite à m'appeler au 06 0234 95 13 parce que ma ligne principale donc, a été coupée par Bouygues Télécom pour non paiement. À l'heure actuelle, il me reste 50 centimes de monnaie et 10,50 euros sur un compte Transcash. Compte Transcash qui sont des comptes. On peut alimenter jusqu'à 10 000 euros en espèces. Mais si ça, c'est pas un truc pour les truands, pour les voyous, hein, comme je l'ai déjà marqué sur Facebook en public là, il y a quelques heures. Alors, que fait le gouvernement? Rien. Mais que fait la police? Ça, je ne dirai pas la suite. Donc, j'ai informé plusieurs policiers aussi. Donc, un gendarme qui est, entre guillemets, un ami trialiste qui s'appelle David Lemaître. Dominique Bosch, flic dans mon village. J'ai informé les différents maires. Orny Marianne, maire de mon village, Marianne Orny Gonier, René Egerman, que vous voulez aussi, Roland Brendley, mon premier patron, enfin mon deuxième patron, et aussi Roby, que j'avais au téléphone hier soir, Robert Knobler, pour Roby qui m'a dit « Tout le monde sait que tout est pourri depuis longtemps, il y a juste que maintenant ça sort parce qu'il y a Internet. » De toute façon, comme dit le lanceur d'alerte Philippe Pascoe, ça sert à rien de précipiter les choses, puisque moi j'ai tout mon temps, eux ne l'ont pas. Je suis quelqu'un de riche en temps. Investissez dans du Philippe Stocker parce que les banques ont craqué. On est à l'aube d'un bank crack. Ne croyez pas les histoires du CAC 40 qui redémarre et tout ça. Comme le dit Georges Carlin, I have certain rule. My first rule, I don't believe anything this government told me. Nothing, zero. Voilà.
agressive ou vous avez envie de m'appeler. Vous pouvez m'appeler encore sur le 06 35 17 65 33, mais si vous laissez un message, je n'aurai pas accès, je ne pourrai pas l'entendre. Appelez-moi plutôt sur le 06 02 34 95 13. Pourquoi un moniteur auto-école, ça anticipe. Ça anticipe, et comme disent les Unix users, where there is a shell, there is a way. Unix users, ça veut dire quand ça passe pas à gauche, ça passe à droite. Si le 06 35 17 65 33 a été coupé, il reste le 06 02 34 95 13, le 07 80 36 35 99, le 07 69 28 18 51, ligne fixe 09 88 08 54 86. Sur toutes ces 5 lignes de téléphone, je me présente comme m'appelant Philippe Stocker, habitant à Rhino. Et je dis très exactement, je ne réponds qu'aux messages vocaux, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, parce que c'est, j'ai pompé, en gros, ce qu'il y a sur le portable Dr. Olivier Gossin. Olivier Gossin est un autiste, donc il dit ça parce que je le vois mal en train de cliquer et tout ça, comme font les jeunes aujourd'hui, qui ont perdu totalement conscience de leur environnement dans la 2D, puisqu'ils marchent en cliquant. Voilà. Laurent Carilla. Psychiatre que j'ai vu à la salle blanche de la bibliothèque Kléber à Strasbourg en 2019 aussi, il ne m'a toujours pas répondu. Il met en 5 catégories les addictions. Donc il y a le tabac, la drogue, donc dans drogue il y a alcool, il y a toutes les drogues qui existent, hashish et compagnie. Il y a le jeu, donc il y a les écrans. Et ça, on a de la peine à le croire quand on va le matin à la boulangerie, qu'on a affaire à un dealer autorisé, le sucre. Et moi, je lui dis, à ce brave Laurent Carilla, que la pire des addictions, c'est la consommation. Puisque je suis victime des lobbies et de la consommation, puisque je suis en situation de surendettement. Et comme dit Georges Carlin, c'est « I spend billions of dollars lobbying to tell you what to believe, what to think. And what to buy? The table is tilted, folks, the game is rigged. And nobody seems to notice, nobody seems to care. These are persons of modest means.